Attends, j'arrive, Ladybug! Bien sûr, le monde plat! Qui est Ladybug? Est-elle une super-héroïne ou une super-vilaine? Comment peut-on lui faire confiance alors que nous ne savons même pas qui elle est? Nous avons le droit de savoir! Pourquoi il veut pas s'enlever? Parce qu'il est magique! Ton forfait est épuisé, Lady Wifi! Oh, comme c'est romantique! Le chaton est venu sauver sa petite coccinelle! Je suis pas sa petite coccinelle! Ça, on en reparlera un peu plus tard! Oh, ma bague! Il fait pas chaud ici! Mais où est-ce qu'elle est? Je serai pas contre un petit coup de patte! Bien, alors, qu'est-ce que je vais faire de vous deux? Oblige-la à utiliser son Lucky Charm. Elle se détransformera, tu connaîtras sa véritable identité, et moi j'aurai son Miraculous. Si tu ne libères pas rapidement ton copain, il va finir en chat glacé! Bonne chance avec ton amoureux transi. J'ai d'autres chats à fouetter. Oh. Attends. Salut les buggers, écoutez-moi bien. Dans quelques secondes, vous découvrirez enfin le plus beau scoop de tous les temps. Celui que vous attendez tous. Je vais te sortir de là, chat noir. Non, non, prends ton temps. Restez bien connectés, on va enfin savoir qui se cache derrière le masque de Ladybug. Lucky Charm! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Mais oui, les micro-ondes! Je te tiens! Allez, petites ondes, croyez-moi signal! Ça va, chat noir? Tu as utilisé ton Lucky Charm. Tu vas bientôt te détransformer. J'espère bien! Vas-y, débloque la porte de la cuisine! Impossible, le micro-ondes est à chaise! Compris! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche? Ne laisse pas s'échapper mes Miraculous! Ok. Bon, je vais m'occuper de l'antenne Wi-Fi. Bonne chance! Oh, oh. Ah, non. Oh. Te voilà, toi! Cataclysme! Bien essayé, chaton. Mais je ne vais pas te laisser me déconnecter aussi facilement. Dépêche-toi, chat noir. Excusez-moi, Pharaon, mais qu'est-ce que vous comptez faire, au juste? Je vais accomplir le rituel sacré pour faire revenir Nefertiti à la vie. Ah, je vois, vous parlez du rituel qu'on voit sur le papyrus, pas vrai? En effet, les 100 momies et l'offrande. L'offrande? Quelle offrande? Pour que Ra, le dieu du soleil, accepte de me rendre ma chère princesse, je dois lui offrir quelque chose en échange, une âme pure. Waouh, pas facile à trouver, ça. Mais je l'ai déjà trouvé. Tu lui ressembles tellement. Quoi? Tiens bon, Alia! Oh non, faut vraiment que j'apprenne à regarder où je mets les pieds! Il faut que je sorte de ce machin!
Ladybug, c'est Alia. Je viens d'apprendre que Pharaon veut m'offrir en sacrifice au dieu soleil. S'il te plaît, sauve-moi. Tiens bon, Alia. J'arrive tout de suite. Tu penses vraiment que ça va fonctionner, toutes ces salades sur le soleil, le rituel sacré, les momies? Tu respectes vraiment rien. Bon, t'as repris assez d'énergie maintenant? Plaque, transforme-moi! Merci de m'avoir attendu sagement ici. Avec plaisir. Il faut absolument qu'on retrouve la Kuma et qu'on le libère avant que Pharaon ne sacrifie cette pauvre Alia. Je ne vois ni Alia ni Pharaon. Regarde là-bas. Attendez un peu. C'est qui cette déesse avec des points noirs dessinés là sur votre papyrus? La déesse Coccinelle, mon ennemi juré. Ce sale petit insecte a réussi à m'empêcher d'achever le rituel il y a 5000 ans. Mais cette fois-ci, elle ne parviendra pas à arrêter le retour de Nefertiti. La déesse Coccinelle, comme Ladybug, il y a 5000 ans. Waouh, c'est vrai que nous avons tous beaucoup à apprendre de notre passé. Non, rassure-toi, tu fais à peine 3000 ans. Maintenant, tu sais pourquoi je suis bien plus expérimentée que toi. Oh, race sacrée, dieu du soleil, moi, Pharaon. Je t'offre une âme pure et jeune en sacrifice pour le retour de ma Nefertiti. Je me prosterne devant toi et te présente ce cadeau. Accompagné de mes momies, nous te prions pour que bientôt revienne ma chère princesse Nefertiti. Réveille-toi, Nefertiti. Réveille-toi. Réveille-toi, Nefertiti. Réveille-toi. Réveille-toi, Nefertiti. Il faut vite qu'on la sauve avant qu'il n'achève le rituel. Sinon, Alia sera perdue pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Fais diversion avec les momies pendant que je m'occupe du pharaon. Mais pourquoi c'est à moi de retenir ces fous furieux pendant que tu te faufiles tranquillement par derrière? Parce que je suis la seule à pouvoir capturer son Akuma. Et parce que c'est toi le plus courageux de nous deux. Ouais. Je sais que tu le penses pas vraiment, mais je ferai comme si. Réveille-toi, réveille-toi, Nefertiti. Réveille-toi, Nefertiti. Salut les sparadraps géants! Ça vous dit de jouer à chat avec moi? C'est chat noir! Attrapez-le! Vous savez que le but du jeu, c'est de toucher la personne. Attendez, ça ressemble à un piège! Horus, donne-moi tes ailes! Les amis, vous venez juste d'assister à une nouvelle prouesse de Ladybug. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, avec plaisir. Mais ce n'est pas encore terminé. Du moins, pas tant que Ladybug n'a pas détruit le médaillon dans lequel se trouve l'Akuma et tout remis en ordre dans la ville. Je connais le sujet. Nino, et si vous veniez plutôt vous asseoir devant cette année? Marinette du Pincheng. Oh, et voilà, c'est reparti. C'est ma place. Mais Chloé, j'ai toujours été assise ici. Ben c'est fini, nouvelle rentrée, nouvelle place. Alors tu te lèves et tu vas te mettre à côté de la nouvelle qui est assise là. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui Adrien arrive. Et comme là, ce sera sa place. Alors ici, ça devient ma place, compris? Hein? Qui c'est Adrien? Je rêve. Elle ne sait pas qui est Adrien. C'est pas vrai, mais tu vis sur quelle planète? C'est un mannequin hyper connu. Et je suis sa meilleure amie. Il est fou de moi. Alors bouge. Hey, qui est-ce qui t'a élu reine des places? Oh, tu as vu, Sabrina? On a une justicière dans la classe cette année. Qu'est-ce que tu vas me faire, super nouvelle? M'envoyer des rayons avec tes lunettes? T'es sûre que tu veux savoir? Allez, viens. Pardon, pardon, pardon. Bien, tout le monde a trouvé sa place. C'est bon, relax, c'est pas grave. Oh, je suis nulle, je voudrais pouvoir tenir tête à Chloé comme toi. Comme Majestia, tu veux dire? Elle dit que la seule chose qui permet aux forces du mal de triompher, c'est l'inaction des gens bien. Eh bien, les forces du mal, c'est cette fille. Et les gens bien, c'est nous. Alors on n'a pas le droit de se laisser faire. J'ai pas de super pouvoir, moi, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais non, t'inquiète, à partir de maintenant, il faut que t'aies plus confiance en toi. Marinette. Alia.
Ladybug, si tu m'entends, je serai pas contre un coup de main. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Lâche-moi, tas de cailloux! Au secours! J'ai besoin de Ladybug! Je savais que tu changerais d'avis! Eh bien, je suis toujours pas sûre d'être faite pour ça, mais Alia est en danger. Je peux pas rester là, les bras croisés. C'est vite!